FM original. Original. Clément original. Dans les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup, beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Et c'est qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi à, comment dire, les villas. Je me suis dit, à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Là où je prends la parole pour la première fois devant le Conseil de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où Son Excellence le Président Mzé Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche. Il faut savoir que nous avons pardonné parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux valeurs, les deux premières valeurs des chrétiens, c'est un, l'amour, deux, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu. Et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, et Ningi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botama na Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kaina Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Au Longui na Ozaï, au Kaina Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Bao yo balingi lisusuko, tiabiso na makambo ya tribalisme, bolo bila bango bino jeunesse, non! Pena okaki, mokonzina bino a répété makamonga na lubaka, non, ilingi koloba, N-O-N. Nye, nye! Tolingi nini, nye, nye! Tolingi Zaïre liboke moko, lisanga moko, ta
Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Parti Bo, Bokonzi Bo. Salut et bienvenue sur kleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndengna Epsarabino Kake. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, Yalelo, franchement, Mouto, tout Azali patriote, il faut appeler ça ma félicitation et pas à président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi. Pour le gouvernement Oyo et Utiko Bima, pour Binomoro Bomoni, Fakwa na Batu Oyo, Congolais à Lingakite, Bimi na Katite. Pour Bomonara, qui Kanambe Azali Moutoumoko, Azali Kimote Mama B, parce que Congolais et Bele Bakuki Kosala Moussala, Bakosa, ministre, vice-ministre, Bazali Nambokana, mais il est abandé qu'au tourner. Na batunaye oyo ya bami yibi parce que yé moropé azalaki mouyibi. Na kanisi bo moni, na kanisi vraiment tout le monde est d'accord na présent na biso, ba moni penza o ngande, na yé psarabino ke azal noko, azali kinoa, bozala calme, na kanisi bino mo bo moni déjà à partir ya premier ministre, après ce kotoke na gouvernement bo moni ke, je peux dire que 98% ou 99% ezali batoua sika. Donc on va pas se voiler la face. On va pas faire la fine bouche. Quoi qu'il y ait un mot, ezali oyo pesi batu motema pasina kanda ezali tomoni Robert wa azongi susu na centralisation na kanisi ministère angweza yango wana, mais bozala calme bo pesa président na biso confiance ngai pe na ko expliquer bino suka ya Robert wa ndenge ekozala na kati ya émission bozala calme vraiment bino moko bo moni président na biso il faut bondi maye ba toi tabaza ko boya bondi ma ba œuvre na ye déjà tozala ki majoritaire té donc président na biso asali tout à éviter cohabitation tokey na coalition et puis na souka na yango bo monique a réussir kolongola ba tu nyoso tout o bino bo bandai ko kanisa ke ba kozonga na kati ya gouvernement parce que soki kanambe mutazo diriger makambu mais siko bo monite mo ndengi azongi si bango ale bozonga bo changer bo sala boy alaki siki ye mutu abandai ko décider donc ezali président de la république mutu a décidé que ezala ndengi o esalami et puis nazo ye sabino bota ka père wana donc ilunga iluka ilonga kamba donc premier ministre nabiso face na ye et l'obélinaye na démarche na ye azali mutu moko azali incompatible na kanambe donc azali mutu moko akosa na kanambe te donc akosa la bien de na Félix Antoine Tshisekedi yon bomona ki choix ya président na biso ezala ki ilunga na za premier ministre bino moko kaka donc bozotala ka face à père oyo face à père oyo face moko ya ba logique mais comment ko ki ko sala penza na kanambe po ba yebisa bino ka ke batu e belé bazalaki na kanambe wana bazalaki valable bazalaki bien mais moi ba sala boulot bien zate parce que kanambe likolo déjà fa quoi donc il na CP donc soko monyo mo mukonjazo fa kola yo na se osani yo pe oko fa kola kaka nazali ko profiter de l'occasion qui m'est offerte l'émission na ngai po nabi ke batu belé bazali ko landanga po na ko pesa ba po na ko pesa toutes mes félicitations na master na ngai a coupé master na ngai a coupé ti pantalon ti tozo ke ne bandoule ti to ko la place moko masanga to mal waka po boye ba ke ye azali muto sala ka boulot malamu parce que banda kota na gouvernement alongwa kate ba changer ke ba poste mais alongwa kate atika la kaka po boye ba ke azali mutu moko valable donc soko moni ba ti ki eti le lo se ke asala comme ça malamu parce que nga na ye biye donc et puis azali pire que noa azali penza donc moi na mai donc a kota bandoule il y a ba Victoria, il y a ba Viva, donc a yebi ki sasa malamu na kansi bo mona ba photo ngani to renya ko sakanate donc a timba donc azali noko ya ko sakanate donc il fallait ka sala na Félix Antoine Tshisekedi parce que soka sala ki na été et sala ki mawato donc master ngai ba félicitations na yo yo za noko yebi kaka donc ndeka to ko sakaka oyebi ndule wana o tshela inga na kata ka pegodo na zaina ki sasa wana tango to bete ki tu wana donc ndule no tshela inga na kata ka quelle nostalgie donc oyebi kaka yo za mwana mai
Donc il y a noko, donc il faut travailler na noko neti Félix Antoine Tshisekedi. Donc il y a wana donc na sepeli atro pour vraiment tant na monsu kombo na yebaki déjà que yo jamais okoki kozali banda masolo donc kozali na kata masolo donc masanga to mali waka donc et sengwa tro yo moka oyebika rende to développaka. Donc et sengo penza na kata motema pona yebike ozali ko représenter biso na kata masolo. Donc par contre nazoro yebisa bino moto ba longola ki li boso na kata gouvernement wana ezali ministre ya diaspora Ilunga très très incompétent. Donc ya longwa ki moto ali boso donc tala kutu donc tellement que asala buzo basala le côté prédécesseur na boyamba tala ndenga asala ki ministère wana donc vraiment etika ki trace ya wana ba renouveler en tant siko yé donc très très ya Ilunga donc incompétent je confirme bomuni ndengi ba longoli et puis ba longoli pe ministère wana pour ba muni yango ezana tinate parce que Ilunga bébé sa ki yango donc siko Ilunga zo mona. Donc pressé na masolo donc a na poto oso sumba na nganda ozonga a o vivre ndegeni oko vivre bien te donc yoku tbaninga musuba mona yike so contre temps ba serenga na ba makambu ya ba députation ya ba sénateur mais yo ndengo ye bana kutu te kutatanga iso ba tingi biso ni bali na ko lia yo donc o sali le côté donc o komisiko yo nulle part donc Ilunga o muni vitesse de traître à papa Tshisekedi, traître à Félix Antoine Tshisekedi, de tala le yo donc na zo ki ba fruit yo mutual li boso penza donc ki ba radia ki na katia liste ba yeba ki donc carrière no sili donc Ilunga mawa trop donc e yebana ki déjà ki donc traître et puis na confirmer incompétent na katia masolo ya ya ministère à diaspora. Du coup, peuple congolais, parce que tu côté na kati ya polémique. Peuple congolais, hermoko bon, nazo comprendre bino, nazo comprendre bino, ba kombo ba roi, ba roi, ba do ba Rubewa ne fallait pas ezala. Tala Rubewa azali donc rwandais donc confirmé parce que ndeko na ye petit frère na ye a gagné qui tour du Congo ya cyclisme. Donc Rubewa rwandais, Rubewa sokazwa naturalisation, ba koma naturalisé congolais mais bo yebake ba poste mi susu ya mboka na biso ba fonction mususu donc mutulokola rubekwa akoki kozala na yango te to boite donc akoma congolais soka za congolais na ndenge nini na naturalisation mais ba poste mususu akoki kozwa yango te yango na rubekwa donc ba tutu et puis se bango kanda pe na mawana mote ma mais nazo expliquer bino bo mona rubekwa kalate ako démissionner nazo expliquer bino pour nani parce que rubekwa bazue wana balingi ko réveiller atimbate. Donc à côté na kati ya gouvernement même ba ko simbisa ye yombo ako simba touche moni ko bewa na ni na yewana ministère ne soya centralisation ana ako zane ka étiquette parce que makambu nyoso tout conseiller ya Félix Antoine Tshisekedi mutu azo gérer yango donc ya ozaka wana ministre moko azo mona ni makambu te avant ka na biro makambu tout bazo traitango na conseiller ya Félix Antoine Tshisekedi na kati ya masolo ana donc rubekwa donc à force azalaka ka vandi obi ke soza na pouvoir ozani ti ministre ozo gérer makambu te obi ke zalaka ridicule na soni na passe na motema boromo na rubekwa ako démissionner donc bokanga date ya lelo ya 5 minutes avec ses angadi bozala calme botia confiance na président na biso bino bo constater que président na biso ayebite ke rubekwa ba komboneza ba rwandais président na biso aza mutu akala déjà yebi masolo ya mboka na biso ayebi ke rubekwa zo rwandais rubekwa ko na liste était là déjà ndenga longoli batu tout na liste soko rubekwa atiki wana stratégie zali président na biso za grand stratège donc rubekwa bomo na ye ako démissionner ye moko parce que aza l'étiquette azo sa loko moko te boka sa te soka za ministre d'état soka za nini etali biso te ako sambwa donc batie wana po ba sambu sa ye bo kanga data lelo boko mona rubekwa boza na bino calme bo tia confiance na président na biso na kasi bino mo bobonia bino mo bo moni ndengi président na biso asali ba masolo bino mo bo ndimite ke bato ba koti wana bozo mo penza batu oyo ba salama bete oyo ba simba masolo ba mbongo te ba fakwa te ba zui ba twasika donc asali penza renouvellement ya classe politique ya mboka na biso na kanisi asalo bango ya longtemps na zozong cela bino subo yo ka emission moko aleka ki na télévision moko ya plus de cela 5 ans makambalo ba kike donc ce qui coalition gozala entre PPRD na biso mais IDPS ekotika na idéologie nango tout ekotika na idéologie nango le peuple d'abord et puis batu oyo basala mabe bayiba place na bango za la boloko parce que tant azo bonga justice ba mende wana tu batu nyoso tu bafa kwa ba kokende na boloko boyo kabino monde président de la république a beta ki sete na makambu ya gouvernement na batu bayiba na mboka na biso donc ezali émission moko sala depuis kala ya 5 ans déjà passé appelé avoir des coalitions
Étant donné que vous n'avez pas de cause en coïncidence. C'est les Congolais qui vont décider. Si les Congolais décident que demain nous ayons comme alliés de coalition le PPRD, mais nous serons obligés d'oublier toutes les frustrations que nous avons connues et d'aller aux affaires avec le PPRD. Quoique je rectifie quand même, il faudrait que l'UDPS tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Et moi, j'en profite aussi pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain, ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Et donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh bien, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Ou bien, ils seront rattrapés par la justice et mis en prison. Parce qu'il faut que dans ce pays, on mette fin à la corruption. Il faut. Comme disait le président de la République dans son discours, mais malheureusement ça n'a jamais été suivi d'effet, il faut que les prisons se remplissent, parce que les prisons doivent se remplir. Il y a trop de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de ce pays. Donc, Binomo Bolandi, présent à changera discours, Tena, Tchelagi Binomo, après ça, Kiango, présent à l'Obama Kambo, il y a de cela plus de 5 ans, à lobby, ce que Salama, Yamope et Salami. Donc, coalition Salami entre Bango, mais bon, Mounike. Et ça, j'étais au moment de battre sous mon ange, n'a qu'un si battre tout, bah comme Coco Mamale, Malembe, puis beaucoup Messanana, Motina Souka, beaucoup Zala, d'accord, n'a présent à Bissobat Bandi Magite. Bon, Monique, n'a qu'un ici 99%, il y a bateau Bazarana, Bazana, nous battons Salate, donc bah côté de ma solo, il y a comme Yibite, bah Tibato Sika, pour beaucoup de temps, ce que c'est que Kanam et Nabinomoutou, abandonne dirigé, pourquoi Tchaki Batunaite? Bah tout Oyo, Bazala Kiwana, bah monanité, et Zali, bah Sika. Donc, vraiment, pensez que mon petit n'a pas Michel Wanzo, petit n'a pas Michel Wanzo, n'a sepelin de Rito Bengana, petit n'a pas Yosa Moutumoko, ozo mérité ma solo, parce que Zali fidèle, au moins, école on a vu sur les Congolais fidélité ils allaient rater la mitche ils allaient garder aucun côté esprit en bon aussi sur côté ok dans au la place en bon mais Yona Félix Antoine Tshisekedi président on a vu sur aux allées qui naie na malam ou na babé ti a eu tout comme à mon agaio na katia masolo et ça l'a engagé plaisir à trop en tout cas et puis singa et singo mingi donc vraiment au yebira qui yo tout bandeau qui vous a vient en gaio kaka yo donc au bandeau ça les missions qu'on engage au bandeau ça les missions à mutumsoute donc au bandeau ça engage kaka donc vraiment petit dans nos zones manquent nga mais donc attend petit dans nos zones manquent mais calaté donc tu recoutes un abysso donc yo et yo na Paris au bandeau ça là et mission dans mututé donc fidélité na okaka n'engage donc ils ont l'accepté donc aux amis mutumoko il y a fidélité donc on a séparé mingi tant au passage n'engage master n'engage Ricardo Elumbu donc à Zanakin na vacances et salinga et singo mingi donc vraiment petit n'engage Guy Michel Wanzo donc Zala Nesika na yo Zala toujours na président de la République et Zali et singo makasi donc vraiment tout le monde est d'accord. Ce qu'on a dit, c'est que l'Axabino, donc porte-parole et gouvernement, ou à Zong si Penza qui porte-parole, Penza solo, parce que tout à l'heure, Menzazagi, Tchakwa, Zolba, n'importe quoi, Bomouni Soukande Nengasuki. Nazale ko tilabino boka porte-parole ya président de la République ndenga annonce ki publication ya gouvernement ya Ilunga donc premier ministre Abisso donc na ebisi bino na confirmé bino bato tout bazala ki na kati bato tout bazana kati ya gouvernement wana bazali imposé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Bolanda bino moko. De cette ordonnance 19/077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 78, 79 et 90. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 17-005 du 8 mai 2017 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres, des ministres délégués et des vice-ministres
sur proposition du Premier ministre, ordonne. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions et en regard de leur nom les personnes ci-après. Premier vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Monsieur Gilbert Kankonde Malamba. Vice-premier ministre, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Monsieur Célestin Tunda Yakassende. Vice-premier ministre, ministre du Budget, Monsieur Jean-Baudouin Mayo Mambeke. Vice-premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Mounemboué Tamoukoumoué. Vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Monsieur Willy Ngopos Zunzel. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Marie Toumba Nzeza. Ministre d'État, ministre de la Coopération internationale, Intégration régionale et francophonie, Monsieur Pépin Guillaume Manjolo Boakila. Ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Monsieur Rubens Mikindo Mouima. Ministre d'État, ministre de la Décentralisation et des Réformes institutionnelles, Monsieur Azarias Roubérois Maniwa. Ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Monsieur Eustache Mouhanzi Moubembe. Ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Néné Nkoulou Ilunga. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Monsieur Willy Bakonga Wilima. Ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Béatrice Lomeya Atilité. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Pius Mwabilou Mbayou Mukala. Ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Monsieur David Jolino Diwampovesa Makelele Ma Muzingi. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur Aimé Ngoï Moukena. Ministre de la Fonction publique, Madame Yolande Ebongo Bosongo. Ministre des Finances, Monsieur José Sélé Yalagouli. Ministre de l'Économie nationale, Madame Acacia Bandoubola Mbongo. Ministre du Portefeuille, Monsieur Clément Kouetenimi Bemouna. Ministre du Commerce extérieur, Monsieur Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre des Mines, Monsieur Willy Kitobo Samsoni. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Monsieur Augustin Kibasa Maliba. Ministre d'État, ministre de la Santé, Monsieur Eteni Longondo. Ministre des Droits Humains, Monsieur André Litte Acebea. Ministre des Relations avec le Parlement, Monsieur Deogracias Nkusu Kunzi Bikawa. Ministre de l'Environnement et Développement Durable, Monsieur Claude Nyamugabo Bazibué.
ministre des Transports et Voies de Communication, M. Didier Mazengu Mukanzu. Ministre de l'Agriculture, M. Jean-Joseph Kasonga Mukuta. Ministre de la Pêche et Élevage, M. Jonathan Bialosuka Wata. Ministre du Développement Rural, M. Guy Mikulu Pombo. Ministre des Affaires Sociales, Mme Rose Boyata Moncajou. Ministre des Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, M. Steve Mbikai Mabouluki. Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, M. Thomas Louaka Losenjola. Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, M. José Mpanda Kabangu. Ministre des Affaires Foncières, M. Aimé Sakombi Molendo. Ministre de l'Industrie, M. Julien Paluku Kaongia. Ministre de la Fonction de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers, M. John Ntumba Panumpakole. Ministre de l'Aménagement du Territoire, M. Agé Matembo Toto. Ministre des Classes Moyennes, des Petites et Moyennes Entreprises, Artisanat, M. Justin Kalumba Mwanangongo. Ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, M. Eraston Kambale Tsongo. Ministre des Sports et Loisirs, M. Marcel Amos Mbayo Kitenge. Ministre du Tourisme, Dr. Bonkulu Zola Yves. Ministre de la Culture et des Arts, M. Jean-Marie Lukunji Kikuni. Ministre près le Président de la République, M. André Kabanda Kana. Ministre près le Premier ministre, Madame Jacqueline Pengue Sanganyoui. Le gouvernement, la formation du gouvernement a obéi à un certain nombre de critères. Les provinces se sont tous été servies. Il y a le Grand Kassai, 25%, le Grand Kindu et Kivu, 22%, le Grand Katanga, 15%. Le Grand Bandundu, 14%, le Grand Équateur, 9%, Congo Central, 9%, et Province Orientale, 6%. En ce qui concerne les gens, il faut dire que les hommes ont eu 86%, 83% de postes, tandis que les femmes 17%. Ce pourcentage est encore faible, mais il faut le pondérer par l'importance des portefeuilles qui ont été attribués au ministre femmes, de telle sorte dans cette matière, il y a eu une grande innovation. La plus grande innovation concerne les nouvelles figures. Les membres du gouvernement qui n'ont jamais été ministres dans le gouvernement de la République représentent 76,9%, ce qui est une innovation importante, tandis que les anciens représentent 23%. Donc bino moro bolandi donc zaleka extrait na tiela bino parce que zana ba minute belé donc na tieli bino bo yoki bino moko ba combo donc o eleki kuna ezali jeté ezali batwa sika po bato bazalaki un peu pessimiste o bazalaki donc na ba doute sur pouvoir ya Félix Antoine Tshisekedi alaki sibino na makambo oyo ya sorti ya gouvernement kesi ye mutazo kumbela masolo donc ezakutu jeté azongi si bango ta ba 3 fois ti alobi boye et salami pe ndengi alingaki et salama do bino bobondo kansa penza do bino bokansa penza na gouvernement oyo Félix Tshisekedi azala présent ba tulokola lisanga bonganga bango za nakati
José Makila Bangoza Nakati. Oh, ce qui bita quoi, ce qui bita quoi, Angoza Nakati. Mais vraiment, ça me l'engage. Donc, qui ministre n'a l'air à Kanam Bepensa, et Beba qui donc Kanam Bazolo Kotana Batoa, bala bala, donc n'a pas soula, n'a n'importe qui, ok, qui ministre, c'est qui pensa, ce que Moni Moutou Pensa, n'a l'air à Mobutu, donc on a pensé que Oyaza ministre, Zoba Goto, oh, n'a qu'on repousse à Nepembenipte, mais Tala Batoukala, donc les Sanga Bonganga. José Makila, bita soki kwiri wana donc ba ministre ya mboka na biso a vraiment ki ministre e beba ki na lera kanambe to witi musika me nzamba yo ki biso mawa siko mboka na biso ezali ko zonga ndenge ezalaki parce que na zoki mutu mo landa 5 minutes na kati ya Angola kuna alobi vraiment César na Angola a ba komi ko pesa biso valeur parce que valeur si la biso na lera kanambe siko pezo zo mona mboka na biso valeur na ngozali ko zonga. Donc, si vous allez marquer pause, mouquet, donc vous allez la Xabino, bande annonce, il y a émission, il y a chroniqueuse, il y a Sika, Christelle Kakuta, Azali, il y a Sika, Kamwa Siko, mais Azali qui banda Kala, parce qu'il y a banda depuis RD Congo Info, Azali qui donc, il y a toujours fidèle, Nangaï, donc, Yangwana, Azongi, avec force, na Makambounios, vraiment, il y a bien, parce que Azali qui toujours fidèle, na Kleboa original, na Tangwakala, RD Congo Info Banda a continué qui ba classe ne parce qu'azali universitaire Banda ko tanga a sali na pause ti azongi azkenda na site mususute azala ki kaka kotuna ngandenge nini donc boss on a kozonga mukolonini donc yangana Christelle Kakuta a zongeli bino na émission na kombo scanage azo scanner ben vite ni nyo surtout total a soki ba robima ndenge ni donc Nazoti la bino bande annonce ya émission na ye Bolanda Christelle Kakuta. Salut bana partout dans le monde, bana monde entier, bana pose, bana partout. Donc désormais Christelle Kakuta l'aurore de la presse, la site internet Klebo Original. Mon boss César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais l'émission est Kanakata Kleboa, ma politicien, ma musicien, ma artiste et comédien, et ma moutounion sur Oaza Malouba. Mais cette fois-ci, le roi de la presse de retour avec force Klebo Original. Donc vous serez basket. Oh, elle est comme ma foute avec César Ngadi, Klebo Original. Donc Binomo Bomoni, Christelle Kakuta, l'horreur de la presse congolaise, bo yambaye vraiment nandengi bo yambara batunyo surtout na 5 minutes vraiment parce que ça facilité mais azali professionnel du métier parce que assez abanda kala atangelango donc nakela si donc Christelle Kakuta bienvenue na site na eux pas ya vienne na eux boss César Ngadi donc oyebika idolo ndeto sola na vitesse na sola nango na bémission yango na vraiment na sepela nango donc l'horreur de la presse congolaise Christelle Kakuta Ozana Katia Masolo, donc merci à trop na fidélité na yo. Donc Ozongi na Katia Masolo, donc yomo lobi vraiment Masolo, Oyeza jeté Ozongi avec force, Siko Kaka Moussala. Donc Siko Nazali Kolobela, Batou, ya gouvernement, Oyo, et Salami Siko, Tozelaki, Tozelaki, gouvernement, et Salami Siko, na l'air à Kanambe, Moussala, Zalakite, parce que Bazaki a intérêt à Yiba, Yakote Kamboka, mais Siko, ba ministre, Tosengi Nabino, vous allez na présent vous allez ma boko pembe présent vous allez monter à malamu présent vous allez il y a logique présent à bosser donc il y a pas de raison que Moussala et les cas malamuté donc voyez bien vous allez wana donc devise vous allez le peuple d'abord il faut et ça la ma po binomoko vous allez ko jiga ngo tongo po kwa ketro sala na idolo il y a président de la république le peuple d'abord donc le peuple d'abord il y a wana siko le peuple il faut amona Moussala yango Eko Salama et puis Eko Salama parce que numéro 1 azali wana po na peuple bino tout bozala ba wumbu ya peuple donc Moussala Sikoyo e bandi et puis Sikoyo tango na yebisaka bino président de la république otozui azali mwana nzambe nzambe moto atindeli biso président oyo ba kongole bazomona ngoneti liseki makambo eleki na mboka na biso makile tangite oke makile fallo tanga président na biso azui pouvoir na bosembo nyoso tout donc vraiment na yebite eloko ni tozali kolega yanga na ba congolais to yebi eloko to lingite mais bato nyoso tout bazozala na motema mais bébé parce que nsusu bakoza contre na ba ki ke bato tout balinga Félix Antoine Tshisekedi te donc parce que moi na nzambe kutu Yesu bato tout balinga ki te mais bato tout bazozala na motema mabe oh Félix a réussi te mais bakozala confondu na kati
y a Nzambe à confondre bango parce que Félix Antoine Tshisekedi azali mwana Nzambe. Nzali ko la sabino sou preuve parce que chaque fois na laksaka ka bino ba preuve. Bo yebi hôpital oyo militaire kombo nango yebana na kisasa mobimba ya Kalufungula hôpital wana bo yebi na zo laksabino na ba photo hôpital wana vraiment et komaki donc okoko kondima kutu tena lera kanambe azo okipe na ikutu ba kongolete ba sodate eloko mote me présent na biso tango yebo moni kanchasi makamba sali na kanchasi bo moni na kankokolo sikoyo hôpital oyo ezali pena de renommé oyo solo oyo penze bandaki ke na ba civil bazali ko profiter ko kende kuna ya Kalufungula ndenge komaki me présent na biso na minute bazali ko rénover yango ezokoma na ba norme moko international na relaxabino na ba image botala ba mbetu ba pareil ba kisi donc internet kutu ezala kuna ezali internet ya fibre optique yeba kutu a tout atana France ba ville mususu na ba mboka mususu bazana fibre optique te me kuna makambo ezali ko salema ya ba norme penza o ndek to mona na poto awa donc hôpital ya Kalufungula bazo rénover yango a 100% na lingi na laxabino botala bino moko na bilili ndek bazo rénover hôpital wana vraiment et si batutu et sengo penza pour boye ba ke présent na biso alingi donc dans 5 ans bokomo na makambunyo surtout et ko salama kitoko. Dans la vision du chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'améliorer les conditions sociales des militaires et des policiers, les services de santé de la police a bénéficié d'un financement du gouvernement échelonné en 3 tranches. Et la première tranche perçue a permis à réhabiliter au minimum l'hôpital général de référence de la police du camp Lufungula, l'acquisition de matériel et équipements médicaux, la dotation des produits pharmaceutiques et entrants, ainsi que l'implantation des systèmes informatisés de gestion des services de santé. Signalons que les structures sanitaires de la police nationale congolaise accueillent outre les policiers et leurs dépendants, ainsi que toute la population. Afin, pour améliorer ces structures, l'hôpital général de référence de la police du camp Lufungula a reçu des matériaux constitués de ciment, des sables, caillasses et faïences, des carreaux, des couleurs, des briques et autres équipements, à savoir des matelas, des lits, des couvertures et des médicaments pouvant permettre la bonne prise en charge de malades. L'ingénieur Victor Moulamba nous en parle. Non, je réponds de l'ingénieur Victor Moulamba. Ici, vous êtes venu, vous faites quoi? Ici, nous faisons la réhabilitation de cet hôpital et on a financé qu'une partie. L'objectif, c'est qu'on finance, qu'on termine. Ici, nous avons la faïence, nous avons les faux plafonds en jupe-roc, nous avons la climatisation. Une grande partie des splits pour cet hôpital. Nous avons des matériels de plomberie et certains matériaux aussi. Nous avons la peinture qui est là. Parce que pour l'instant, on a un objectif que nous sommes fixés, de pouvoir terminer les urgences et puis de pouvoir terminer quelques salles d'hospitalisation, que cela soit un peu fonctionnel vu la demande de l'hôpital. Un point saillant important à relever est la dotation de tous les 26 commissariats provinciaux de la police nationale congolaise en médicaments, excepté les commissariats provinciaux du Congo central qui a bénéficié en plus de 40 lits, 40 matelas et une literie. Cette opération va s'étendre progressivement dans d'autres commissariats provinciaux. Les commissaires supérieurs principaux de Moba font les points. Ça, c'est le premier lot de médicaments. Le premier lot de médicaments que nous avons acquis grâce au président de la République qui a accepté, c'est qu'il y ait un fonds alloué pour la police pour les soins médicaux. Alors ils sont venus avec les premiers véhicules. Les jours passés, nous avions déjà réceptionné les matériels, les lits et tout ce qui est utile pour le fonctionnement d'un hôpital. Alors il y a encore 3 véhicules qui vont venir avec le matériel. On a colisé province par province et d'ici là, toutes nos provinces seront équipées en médicaments et en matériel. Sur ce, nous disons vraiment merci au chef de l'État pour ce qu'il a fait pour la police, pour la famille des policiers et la famille des militaires de FARDC. Ça, c'est le lot des lits que
que nous avons payé grâce au fonds de solidarité alloué à la population congolaise par le président de la République démocratique du Congo, son excellence M. Félix Antoine Tshilombo. Je pense qu'avec tous les policiers et les médicaments, la prise en charge des policiers sera vraiment allégée. Parce qu'à la police, nous trouvons toutes les compétences sur le plan médical, mais ce qui faisait défaut, c'était les médicaments et les matériels. Maintenant que le chef de l'État a pensé à la police, sur les plans matériels et médicaments, la prise en charge des policiers et leurs dépendants sera faite de façon vraiment extraordinaire. Encore une fois de plus, merci à M. le Président de la République. Les travaux de réfectionnement de l'hôpital général de référence de la police nationale congolaise du camp Lufungula ont débuté par la construction de latrines, des plafonnages, des différents compartiments, la réhabilitation de la lumière, bref, tous les bâtiments de l'hôpital subissent des modifications pour les rendre viables, voire même l'installation de l'Internet par les standards télécoms. Vous êtes spécialiste en quoi, juste vous faites quoi Parce que souvent, je fais du standard télécom, c'est quoi? Nous sommes des spécialistes en fibre optique. C'est nous qui installons la fibre optique pour donner l'Internet. Pas seulement l'Internet, et puis pour permettre de donner aussi des données dans les différents bâtiments. Donc, ce n'est pas pour la communication, par exemple, les téléphones, Fruxelles, Oasis et tout ça. Non, pour le moment, on donne pas. Pour le moment, on ne donne pas les téléphones fixes. Parce qu'il y a un petit problème et puis on est en train d'arranger pour ça. Mais on donne aussi les téléphones fixes, mais pas pour le moment. Oui. Mais pour l'instant, c'est juste l'Internet. Et puis, avec notre fibre, ça va aussi vous permettre de faire la liaison de vos données. Oui. Ça va vous permettre de faire la différente liaison par rapport à vos données. C'est comme ça. Donc ce bâtiment de l'hôpital sera moderne alors? Oui, ça sera vraiment moderne. Quand vous faites la liaison, les internet, vous serez vraiment... Si est malade sur le lieu de l'hôpital, il peut utiliser l'internet. L'internet. Oui, il peut utiliser l'internet pour se distraire quand même. Et alors ça? Ça sont des équipements qui nous permettent de faire la liaison de la fibre optique. Il y en a comme ça, et ça on appelle ça la fusionnée. Ce qui va nous permettre de faire la ligature de la fibre optique. C'est ce qu'on va utiliser pour nous permettre de mettre l'Internet ici. Là, nous sommes à l'étape de configuration de modem. Nous installons le modem et puis on envoie les signaux. Bon, après avoir fait mon... Après avoir tiré la fibre, et puis là, nous plaçons le modem. Après le modem? Oui, après le modem et puis il y a l'Internet qui va passer. Donc bientôt, là, à l'hôpital, on aura l'Internet. Oui. Le samedi 17 août 2019, le conseil principal du Collège Santé et Bien-être de la présidence de la République démocratique du Congo, M. Bola Benjamin, a visité l'hôpital central de référence de Kinshasa pour s'enquérir sur place dans le cadre de suivi de l'exécution des travaux qu'il a jugé satisfaisants. Qui est en pleine réhabilitation, qu'est-ce que vous avez? Quelles sont vos impressions? Non, les impressions, c'est que le mot d'ordre du chef de l'État pour la santé et le bien-être de la population en général et à un focus particulier sur la défense, l'armée, la police est en train de se réaliser. Donc là, nous avons vu certains endroits où les salles ne sont pas encore, les locaux ne sont pas encore réhabilités. Et on a vu le travail de titan qui se fait et on sent que le travail va s'achever en beauté parce que le tout est fait dans les normes. On a vu qu'il y a du matériel qui sont stockés et qui vont être déployés dans toutes les salles. Et ce qui est formidable, c'est que déjà à partir du camp Lufungula, qui est l'hôpital central de la police, ils vont pratiquement amputer une partie de matériel ici pour vite toucher à une urgence qui va se faire au niveau de Matadi, qui manque totalement de lits, donc ils vont envoyer 40 lits, c'est une bonne chose, on verra comment les remplacer ici.
Donc c'est un peu ça, le travail est bien fait et nous remercions le responsable de la police ici qui fait un excellent travail. Nous le suivons. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au cours de la même journée, du samedi, nous avons assisté à l'expédition du premier convoi de matériel et équipement vers les commissariats provinciaux du Congo central, sous la supervision du directeur-chef de service Santi, le conseiller adjoint Joe Kamanga. Les chefs directeurs de service santé, nous voyons déjà un camion qui est derrière vous. Ça part où et pourquoi c'est présent ici? Nous voulons que vous expliquiez à l'opinion et à tout le monde qui vous regarde s'il s'agit de quoi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le camion conteneur derrière moi contient du matériel et des médicaments. Le détachement du service de santé de la province du Congo central. Ce samedi 20 août 2019, les reporters du studio TV PMC sont descendus au camp Le Fongola pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux et avons rencontré le directeur chef de série Santé, le conseil du vénéraire adjoint Joe Kamanga, qui explique. Les travaux de réhabilitation de l'hôpital central de référence de la police évoluent à la satisfaction de tout le monde. Parce que là, nous venons de terminer la réhabilitation du service de laboratoire. Comme je vous ai dit la fois passée, le centre d'hémodialyse, qui est une unité spécialisée, avait besoin d'un service de laboratoire moderne pour le suivi des malades. C'est ainsi que dans le planning de la réhabilitation de l'hôpital de la police, nous avons commencé par le laboratoire qui est réhabilité, qui est derrière nous et qui va devenir opérationnel la semaine prochaine, juste après l'acquisition de leur équipement. Après le laboratoire, nous irons voir les services qui dans les travaux qui se passent au niveau des urgences et l'autre service qui a été aligné dans un premier temps, c'est le service de gynécologie et obstétrique. Nous avons parlé de premier temps parce que le financement qui est prévu par le gouvernement est échelonné en trois tranches. Alors, la première tranche que nous venions d'avoir nous a permis, comme je vous ai dit, de commencer la réhabilitation à minima parce que nous nous sommes dit que à quoi bon avoir du matériel dans des structures vétustes. C'est ainsi que je parle du premier temps. Oui, mais la première tranche n'est pas suffisante. Vous savez, la santé prend beaucoup de moyens. La première tranche, comme je vous ai dit, nous a permis juste de commencer à réhabiliter. Donc, Binomoko Bolandi, Bomoni, Ezali, donc Lokomoko. Donc, hôpital militaire, wana, il y a des soldats, il y a des policiers, il y a quand le Fungo les a qui hôpital moko, donc il y a Kitoko, mais comment qui en ruine, donc bazo qui permettait, bon, monique, rénovation, en gros, que rénovation, bazo rénové en gros à 100%, bon, monique, bah, kissi, bah, pareil, bon, monique, donc, bah, pareil, les alliwana, et que tinda, qu'il faut travailler, l'internet, à ma kasi, il y a haut débit karaté, mais il y a fibre optique, bon, et vitesse, en gros, donc, bozo monique, quand même, président, la biso, à l'ingi, bah, soldat, bah, vivre, nan, denga, bien, parce que, bah, on moutou, bazo, kenge, la biso, bazo, vivre, bien, te, bah, kenge, la biso, bien, te, bah, soldat, bazo, somba, biloko moins cher ba soda bana na ba bazo kende classe na ba condition ya bien classe ofelé donc ba soins médicaux ofelé bo ndenge nini munguna akote la biso moment que soldat yemo kazali ko vivre bien donc bozo mona bino moko na ebité bato baza ko ndima présent na biso te atabolingi ete bo ndima na ba eve azo sala makambo azo sala kaka sikoyo na 7 mois à peine 8 mois Kanambe a sala yangote na 15 ans, donc na 18 ans Kanambe a sala yangote, donc tout souhaiter que Mboka na biso avancé par
président de la République Nabiso, ce qui a salé Moussala Malamu, a continué, soit salé Moussala Mabe, a Roya Simanaï, a continué, a coûté déjà Moussala et Salama Makassi. Mais je pense que Moussala et Salama Makassi, parce que le président Nabiso a salé pour une décision, il y a quoi, bon, Samboka. Mbouibi qui est stressé, donc tout, Zalaki bien tête au banaïko Luka, gouvernement Bima, si quoi, gouvernement Bimi, pour tout se décompresser, si quoi, tout sepela et longo, Nazali ko pesa bino nouvelle oyo biso tout le 30 août tokutana na réouverture ya dancing club Papa Jacques oyo ezali na Saint-Denis bozali komo na adresse na yango donc réouverture nango ekozala le 30 août oyo en collaboration avec Willy Alumba Mutasali Makambutu bazali en collaboration pour donc club dancing wana Papa Jacques où ils allaient na Saint-Denis et Zonga donc le 30 août oyo bokanga date oyo biso nyoso tout to kozala wana na ba Blanchard Goma na Égide de Fer na Dede Bokeli na Sébastien Bluno donc na Jean-Paul Djamba batutu bako zalawana donc Ricardo Elumbu aza déjà wana pour aza déjà wana kati ya Paris pas aller sikoyo na kati ya kisasa de kisha azalawana donc batu nyoso tout bako zalawana donc ngamoko pe klebo na kozalawana donc batu le msusu ba mona nga na télévision balingo mona nga toko zalawana donc réouverture ya dancing club Papa Jacques et Zali Kosalama le 30 août oyo donc na kanisi vous allez komona affiche ndenge na tiela bino affiche vous allez komona yango donc en collaboration avec Willy Alumba Mutu asali masolo oyo donc bisonyo surtout tokozala wana na kanisi vous allez komona adresse ezali na Saint-Denis et puis numéro de téléphone ezali pona ba ample précision 06 29 77 91 51 bo bengi bozu ba précision na bino donc rendez-vous ali le 30 août à partir ba 23h masolo ezana boye penza parce que bisonyo surtout tozala na kasi bozali komona yango donc sikoyo tokomi na suka émission bo bika ndenge na lobara je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire bon avant na suka boyebi base mute simba makambu base mute simba présent na biso lelo akoma présent parce que ayoke la ki base donc 5 minutes pengai na yoke la ka base donc boyebi ke na sala ka ba dédicace na bato tout balanda kanga na bato ba benga nga na ba misusu ba benga kanga ite ba komela kanga donc boyebi ke na bandaka na honorable député indéboulonnable Zico Mayele. Donc il est vraiment azali député oyo tokoki kolobaku te belete donc Zico Mayele merci mingi na onyo surtout sala kana 5 minutes na oyo sala kapo na mboka donc nazali ko pesa message na Stéphane Jokol donc ba mbote ebele donc on s'appelle Kei Nakati ya kitsasa siko na sina pesa ki mbote na zongile su mbote na nga parce que pesa ngesengo mingi petit na nga gimisho wanzo donc yoza vraiment mutu na vina yo zali fidèle de fidèle donc soza fidèle na vina yo eko pesa kaka lifuta bomoni ndenge donc gimisho wanzo zali ki na président de la république depuis kala bomoni e porter fruit siko pe azali kuna na ki sasa donc na pesi su mbote na Ricardo Elumbu oyo azali na Kinshasa Mikolo donc bon séjour na Kinshasa ozongi la biso malamu donc yo yebika ke mayele nazali ko pesa sikoyo mbote na Arsène Kudia na kati ya Kolwezi abenga inga petina nga abenga lobi vieto zozi la 5 minutes parce que to moni gouvernement bimi me yo ndengo betango ezala ke sengo mingi donc Arsène Kudia ba mbote ebele kuna na kati ya Kolwezi na mboka na biso boyebika ke na epsa bino na zara vraiment très touché soki mutazo landanga na mboka na biso pona ba megeza la rapasi donc Arsène Kudia ba mbote ebele donc na ko pesa mbote na mwa na bandal baba na bandal ebele ba ebana o bazalaka na kati ya Paris awa na ko pesa mbote na Seba Seblino na Vignier sur Seine ye a rataka 5 minutes te ce qui a raté yango akokoka kutu te donc il faut même pas kutu olobake akoki ko rata ngo ce qui omoni Seba Seblino omoni yebaka ke Dede Bokeli soko moni yebaka na pembeni ne Max Mbawa Azaliwana, donc Bango Nakati ya Paris, merci beaucoup.
na fidélité na bino donc na rotika la car na kata bandal pour na repesa kolo mabele ngoshima donc yo bi yo za mutunanga donc ba mbote ebele et puis na musala nyo surtout ozali kosala po na makambu ya mboka po na makambu ya parti na biso donc na kai na kati ya Londres pour na repesa Josin Kano ki kakamene mbote to na za masta na ngai donc ye pe azali infirme meye azat tembe moko akosakana te donc yeto sala course penza doto komi na gometo kutala master na ngamobo a 105 na bango zalaki bientôt to bandoma te escalier course do obi ke na ganya ye na koma likolo me ye na se azo disikite ka o ganyete ngabi o na ganyete ndegini ngana komi likolo yo za na se mais non o ganyete rezma donc muta ko ye sa bino histoire ngo ezali le grand bouloukoutou gloire a tout cas dio azalaki na biso donc imaginez que ti ayako bimisa discussion lobi ke yo bandoma mata ba escalier mi balé donc ozali disqualifié donc discussion ko sakanate donc masalanga Josin Kano ba mbote belé na Londres parce que yé place na mona donc yaza tembe toto za ina chiki yé na ba ritabola soki a simbi stylo azo simba stylo ndere on dirait fourchette azo simbi stylo fourchette de tozagi na prof moko bo yangla bi yo penza so zu examen d'état nga na longo l'école je sais bien na ko zo et puis Josin Kano ko zo pe examen d'état na période ba sonne azo luka soko prof nga bi sai ko moniko o lobaki mingi Nazu examen d'état donc Josin Kano azamuta tembe mais abanga parce que ba handicapé o ya wileri ba kanela ki po ba période mo ba handicapé so ba zui taxi ba tambulu ba futa raté et comment est-ce que so zo tenir sa taxi parce que atambulu na dekan ba zo telmaté o ba telmaté po no bino bo futa raté o jozabi biso to futa raté albi ba handicapé a wileri pesa ba bébé si réputation na biso ba misu ba yo babi o yo zo sakana biso zia so to suite remonté Josin Kano bala mo masala nga wana akota chuma donc akoma ko banga parce que ya zamuta tembe mais à côté qui chuma donc on est ici entre parenthèses à Bételébino donc pour négocier gambang donc ma salanga Josin Kano qui kakamene bah mbota trop na côté ya Londres na ye ah on a scène mar na melin pour nous repasser mbota na Alain Malassi le roi lion toujours en costume cravate c'est la noblesse qui la lui oblige donc ma salanga donc Alain Malassi bah mbota belé na zana petit nanga oh na ebsa bino na Bételaké tolo petit wana na monde entier tout ça qui recensement do bazaka deux moko awa mususu na Pyongyang donc petit nangana doudou swami doudoulé monsieur swami makobo azali pecho penza na betela katolo na zalaka na confiance na ye a 100% petit nangana tozalaka na ye to lamuki to bengani donc ba idolo tout to salaka ngona petit nangana doudou swami ba mbote ebeli donc na kina Strasbourg parce que na émission précédente na korcha ki kamwa kombo na ye mboka mais kombo na ye papi Yaweli donc na kate Strasbourg merci mingi papi Yaweli po na fidélité na yo donc na kei na kati Angleterre po na opesa mbote na Dede Katindi avant ça masolo ya 5 minutes avec César Ngadi donc na zo sepela et puis na zo remercier na fidélité na yo na kei siko na kata Suisse po na opesa Timothée Doulukila ba mbote belé Timothée Doulukila na kati ya Suisse avant sa masolo ya 5 minutes avec César Ngadi na keisi koyo na Kadanda pona ko pesa mbote na désiré kilo loi na kati ya Canada ba mbote belé po na fidélité na 5 minutes na izongi awa na kati ya France na Nancy pona ko pesa Stone Leja ba mbote ebele na fidélité non na 5 minutes donc sikoyo na kopesa mbote na petit nanga bula bulambo donc petit nanga ya est na kati ya Pretoria na Afrique du Sud a tindelinga message na okagi audio na petit nanga donc esengisa yinga mingi et pesa yinga pe emotion makati mais oyibika ndenge masoleza la donc petit nanga bula bulambo ba mbote ebele kuna na kati ya Afrique du Sud na Pretoria donc na kopesa petit nanga ça fait longtemps to bengana te mais petit nanga webi kozaka na kati ya motema maître Njube le maréchal donc il y a un maître pe ya solo penza ya solo azala palmarès makasi na makamba judo parce que bandango na judo do ba champion ya judo na kati ya mboka na biso kuna donc maître Njube webi kaka soito benga na te petit nanga le maréchal mais petit nanga ozaka na kati ya motema na landa makamuno na kati ya groupe no oyo créé donc ça la succès makasi donc petit nanga donc vraiment yebaka vienna wa kanisaka yo kaka donc na kosukisa na kati ya Liège pona ko pesa John Tumba ba mbote ebele na kati ya Liège a sikisa kinga makasi ya lobi na nga vienna nga yo penza il fallait ozalaka na kana biso parce que ozaki na kamususu engoza la mawa trop donc John Tumba ko banga te donc biso bato boto ko za na ba kamususu te ya bato lukuta na bato ba yemi kolo bate donc kana biso ezali ya présent Félix Antoine Tshisekedi ya ngola tozali ba kolabo ya Félix Antoine Tshisekedi sur ce
Je suis à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission et de votre fidélité. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ndengnaïb Sarabinoga, Kanambe, Monique Bouzo, Kesoute, Tchoumana, Tchouma, Kanambe, Sassoussou, à l'aise mais. Aïe ba kakaka kanambe si gozali, bo yé ba pebino ke kanambe a reçoit ma solo na mbuchu tona dikosi. A très bientôt. Clébo, Clébo. C'est Pela TV et yé na makambu ya sikali susu. Wo ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Au moment où il y a politique, il y a Sika. Au parti AA, et Zanakati. Au parti BB, au CFAIO, et Zanakati. Il y a Sepela TV. Bouquet comme il y a Mouke Boy. Au Tina Poche, voyager dans Mouke, partout au Lingi. Na Bouquet, il y a Sepela TV. Sepela TV. Mais ma bisonne, on a mis sur la 4K. Machine, ma Daka Daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.